Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizère. Yon plaisir pour entrer la CAO pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne, quelques grands points cap dominé actualité. États-Unis justice, 12 membres jury dans procès pénal historique contre Donald Trump a délibéré pour qu'on ait si oui ou non y a condamné ou bien acquitté ancien président républicain. Région Moyen-Orient, Israël continue opération Efraïklio dans ville Rafah malgré opposition États-Unis avec plusieurs autres puissances occidentales. Et puis Haïti, docteur Gary Conny, un fonctionnaire international, apparaît pour tourner nouveau premier ministre après un vote conseil présidentiel transition. Et puis Haïti toujours, funérailles Jude Montis, haïtien ça qui mourit assassiné en bas gang armé ensemble avec un groupe missionnaire américain. Avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment. Merci de ce que choisir. L'autre fois encore, VOA Creole pour informer et go point actualité. Aujourd'hui, c'est pratiquement dernière ligne droite qui gagne dans le procès pénal contre ancien président républicain américain Donald Trump. Et aujourd'hui, c'est délibération. Nous allons rejoindre Valérie Saint-Louis qui trouve dans New York. Valérie. En effet, Jacqueline, je dis à ça nous capable de dire, c'est que l'avenir Donald Trump n'a même 7 garçons et 5 femmes qui formaient, eh ben, jury de 12 membres, ça, qui commençaient séance délibération, je dis, mercredi 29 mai, dans le cadre, dans le contexte, jugement historique et criminel, ça, contre un ancien président américain. Je dis à nous sous place ça qui en face tribunal là côté que le jugement a déroulé et place ça gagne plusieurs fanatiques, plusieurs curieux et fanatiques Donald Trump et monde qui compte Donald Trump qui viennent rassembler sous place ça pour y attendre verdict là. Je pensais que je dis à bon verdict. Délibération historique jury a commencé après plusieurs heures en discussion. Discussion prolongée, faut nous dire qui finit bien tard hier soir, hier mardi, côté que prosecutor Joshua Steinglass est accusé Donald Trump que l'IT intentionnellement trompé électeur, l'IT soi-disant fait complot pour enterrer, casser feuille, couvrir histoire ça qui t'a qu'à influencer l'élection présidentielle en 2016. Prosecutor Steinglass t'a suggéré que Donald Trump t'a fait ça avec volonté pour cacher paiement l'argent qu'il t'a fait dans une façon pour ne pas quitter aucune trace, à aucun document. Avocat défense dans compte examination témoin principal là qui c'est Mark Cohen, il était visé pour écraser crédibilité. Maître Todd Blanch t'a traité ancien avocat et ancien ami Donald Trump là comme plus gros menteur qui gagne sous la jury pour acquitter client li bien vite. N'a pas rappelé que Donald Trump fait face à 34 accusations criminelles pour faux dossier business. Accusation ça yo gen comme punition jusqu'à 4 années en prison. Donald Trump démenti que li pas fait rien qui mal et il t'est plaidé non coupable. Faut que nous comprenne que plus gros accusation c'est remboursement l'argent ça qui t'est payé by Michael Cohen pour lui-même li a fait un paiement de 130 000 $ by actrice film porno Stormy Daniels en échange pour fermer bouche pour pas parler sur relation sexuelle avec ancien président Donald Trump qui était passé en 2006 et c'est parti ça qui plus important dans le jugement ça qui a déroulé dans le tribunal qui derrière dominant là pendant plus de 4 semaines pendant séance témoignage yo pour ce qui était relé 20 témoins et avocat défense ça eux-mêmes ont relé seulement 2 témoins parmi témoins clés que la justice a relé nous joignent ancien avocat Trump là Michael Cohen actrice film porno justement Stormy Daniels publicateur journal tabloïd Zintribotay là David Pecker avec avocat Kate Davidson qui était négocié contre l'agent pour acheter silence Stormy Daniels. Et puis nous joignons ancien modèle Playboy là, Karen McDougal. Bon côté par équipe avocat défense, puis gros témoin yo c'était avocat Robert Costello. Délibération jury en jugement criminel contre Donald Trump là, eh ben li pral continuer jodi a en dedans tribunal là et c'est ça qu'a fait là, dans une chambre qui réservée spécialement pour membre jury yo. Membre jury yo a communiqué à tribunal là à travers note que y a voué par juge là, mais personne pas connaît sa membre jury yo a dit entre yo. C'est un vrai suspense en dedans tribunal là jodi a. Panel jury 12 membres yo gagne un gros travail devant yo. Yo pral décider si yo doit condamner ou soit acquitté Donald Trump pour quelque ou soit tout 34 crimes que yo accusé lio. Si jury après plusieurs jours de délibération pas arrivé joindre un verdict unanime qui veut dire faut que tous les 12 membres yo d'accord sous même verdict là, et bien dans cas ça juge là capable déclarer annulation jugement. Et n'a pas rappelé que si on t'a joint ancien président coupable, li t'a prend 4 années prison. Dès donnant là ce tribunal là et nous sous place à côté que quelques fanatiques Donald Trump avec des curieux qui viennent garder puis ouais si jodi a pour tout bon vrai a bon verdict cap sorti dans jugement historique ça contre ancien président Donald Trump. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis depuis Manhattan, New York. Donc délibération a fait dans New York, donc ça pile suspense sous question ça dans moment que 12 membres jury a yo même il a fait délibération et qu'on y a yo l'autre fait l'autre exigence encore pour y attendre quelques autres témoignages. Actualité qu'on a mené nous dans pays d'Haïti côté docteur et Gary Conny tournait
ou bien sous route pour le tourner nouveau premier ministre et dans pays d'Haïti après que conseil présidentiel transition fait vote là hier. Nous pral rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince qui pral camper pour nous personnage là. Gary Conny fait dans Port-au-Prince et le diplômé dans l'école médecine et pharmacie université l'état d'Haïtien. Il gagne une maîtrise en santé publique dans l'université Caroline du Nord dans Chapel Hill. Il parle couramment anglais, français et créole. Dr. Conny possède plus de 20 années d'expérience en développement international, principalement dans les Nations Unies et dans l'ONG internationale. En janvier 2023, il est nommé directeur régional UNICEF pour Amérique latine et Caraïbes. Avant ça, il était occupé divers postes importants, notamment en Jamaïque, Burundi et dans la Fédération internationale Société Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Dr. Conny, déjà premier ministre pays d'Haïti, en octobre 2011 à mai 2012. Il était démissionné après deux accords de gagné avec le président époque là, Michel Martelly, sous contrat reconstruction après tremblement de terre, avec une enquête parlementaire sur double nationalité politicien. Le principal défi pour Gary Conny, c'est pour former un gouvernement capable de rétablir la sécurité dans Port-au-Prince, capitale haïtienne qui a subi un pile violence gang armée. Stabilité et sécurité, vie et bien, c'est priorité immédiate pour nouveau premier ministre et équipe. Conseil présidentiel transition désigné Gary Conny comme nouveau premier ministre. Dr. Conny élu avec 6 votes sur 7 membres qualifiés dans le conseil. Nomination ça vini dans un moment côté Haïti a cherché rétablir stabilité et reprendre contrôle diverses zones gang améo dominées notamment dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Désignation Dr. Conny en tout vini après démission Premier ministre Ariel Henry dans mois mars qui s'est passé là. Docteur Ariel Henry t'a quitté Haïti pour aller chercher soutien international là pour une mission sécurité Kenya a gagné pour conduire et l'empêcher depuis lors pour entrer dans le pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel, on dit que réaction pas de printemps pour être tombé sous après que conseil présidentiel transition nommé docteur Gary Conny comme nouveau premier ministre dans pays d'Haïti. Nous allons rejoindre Renan Toussaint qui lui-même déjà joint des réactions département ça pour ça compte sous question sous nomination docteur Gary Conny. Renan Toussaint c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Après conseil présidentiel transition fin fait choix docteur Gary Conny comme premier ministre transition, plusieurs leaders partis politiques et organisations sociopolitiques ont opinions différentes par rapport à Dimash Sa. Nabdi et PM Gary Conny, bienvenue. Mais cependant, il faut qu'il y ait une responsabilité directe dans la question pour combattre la sécurité. Il faut qu'il y ait de même tout pour combattre le bois, permettre que la réforme constitutionnelle la fête, travaille pour le conseil électoral la montée, afin que 7 février 2026 pour nous renouveler personnel politique. Transition ça, l'idée véritable transition de rupture pour permettre le pays à un rail développant. Et c'est dans le contexte ça, on a fini pour nous dire, conseil là, encore une fois, nous acclamons pour harmonisation. On a dit qu'on continue dans même lancée, mettez tout zigzagni de côté pour avancer et pour permettre le pays ça, pays de Saline, le pays Toussaint Louverture, pays Chalmay Perel là. Pour petit nous, demain si je veux, pour ne pas vivre, ça n'a pas vivre là. Sans être trop, nous pas capables encore. Docteur Conny, venez à l'heure. Saint-Jean Mateni, qui c'est coordonnateur parti politique, nous d'accord, replanifie Haïti, nous dra, avec Joseph Jean Rousselet, qui c'est porte-parole parti politique, innovation, dit ou pas attendre rien positif, non mais Gary Conny. Gary Conny, pas un meilleur choix, et nous connaissons 2011 à 2012. Choix Michel Martelly fait de lien pas pour tes résultats et je dis à nous pas attendre grand chose de Gary Conny. Gary Conny, son monde qui te décrit déjà, mais nous respectons comme intellectuel. Nous connaissons le connaît. Est-ce que là, comme nous-mêmes en Haïti qui connaît tout. Mais cependant, nous pas quoi les Nations Unies qui changent au monde pour tes résultats. Nous pas quoi les Nations Unies qui changent au monde pour tes résultats. Ça va dépendre de la nature. Cependant, nous faisons appel avec les acteurs de l'opposition. Nous faisons appel avec les organisations de l'opposition. Nous faisons appel avec la société civile. Monsieur, dame, si nous mettons ensemble
pays a fini, oui. Bon, question de faiblesse dans la question en tout, oui. Ok, ok. Bon, question de faiblesse dans la question en tout. Parce que je veux dire, c'est une déception. Lorsque nous avons ces gars avec O'Neill, et nous te prévoyons déjà, nous te décrions déjà. Le bloc est là. Trafic de fluides de l'international de Kébel. C'est un dossier à suivre. Ouena Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc, nous avons toujours continué à chercher l'autre réaction par rapport à la nomination Dr. Gary Coney comme nouveau premier ministre dans le pays d'Haïti. Et d'après l'information qui vient de nous, Dr. Gary Coney pas en Haïti. Donc, démarche à faire pour entrer dans le pays et poursuivre l'autre étape pour le capable de venir tête gouvernement intérimaire là ou bien gouvernement transition. En Haïti toujours, c'était funérailles Jude Montis, haïtien ça qui était mouri assassiné en bas main gang armé ensemble avec un couple missionnaire américain. Un reportage Sandra Lemaire. Plusieurs centaines de monde étaient présents dans une église dans Port-au-Prince mardi pour porter deuil pour Jude Montis, directeur mission chrétien, gang tiré et touillé ensemble avec un couple américain qui te travaille à lui. De l'eau t'a coulé dans Géfoula. Dans le moment, il t'a assisté aux messes bonheur le matin. Madame Montis t'a crié tout. Et nous connaissons nos seigneurs qui ont beau pouvoir au nos ciel-là. Et ça va prendre temps pour nous jouer la justice pour la paix. Service là te rend hommage tout à Davy et Natalie Lloyd, une couple mariée dans 20 ans, qui était avec Montis. Le nègre exam t'est attaqué au jeudi soir pendant qu'il a quitté une activité pour jeunes gens dans l'église dans la zone. Montis t'est gain 47 ans. Il a quitté derrière madame ni deux petites qui gagnent l'âge 2 à 6 ans et puis au frère qui était présent nuit de côté, il était mort assassiné. Service l'a déroulé quelques jours seulement après 3 mounio t'est mort dans une zone gang contrôlée dans la région Nord Port-au-Prince côté Montis tap travail comme directeur local Missions in Haiti, une organisation religieuse qui gagne base dans Oklahoma. C'est David et Alicia Lloyd, parents Davy Lloyd, qui établit organisation. Ça. Missions in Haiti dit ambassade américaine a travaillé pour joindre documents nécessaires pour transporter cadavres Lloydio par avion aux États-Unis. Il a ajouté que les voyait employés Lio à prendre refuge un côté qui pissu. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. N'a prêté toujours dans le pays d'Haïti, côté que chaque dernier dimanche et mois de mai, tant qu'on a plusieurs autres pays, eh ben, c'est fête demain. C'était une occasion tout pour te faire une journée ramasser sang pendant un moment ça pour aider moun nan besoin, surtout dans la période côté que n'a vive yon insécurité sans pareil. Gentil Augustin Junior, a vu nak détail. Yon journée don sang capote l'espoir pour population, nan mitan crise violence Haïti. Vu avec situation paysan, nous toujours gagne deux modes, soit pour monde qui prend balle, soit pour monde qui va coucher ou bien pour monde qui pas cap font l'autre intervention, toujours gagne deux modes de sang. Comme nous gagne manque dans cabine là dans celle là, je dis à nous venir pour nous faire un collecte pour nous ramasser plus pochette pour nous servir population. Samedi 25 mai 2024 là, citoyens cap vivent dans Port-au-Prince, tal bail sang malgré gros inquiétude sécurité yo. Nan mitan groupe moun sa yo, gagnen qui souligne importance solidarité nan youn nan pi mauvais impasse pays a trouver. Raison qui pour se vinn bail sang, c'est très simple. Je m'a payer rien pour bail sang et puis gagnen qui bon manque dans société tout. M'pense que ça cap plus ou moins aider yo par rapport avec besoin yo. Nancy Lenné, coordonnatrice Renaxan, t'a expliqué population an, qui processus poursuivre les l'hôpital yo mande sang pour malade yo. Si on moun gen besoin sang nan période ça après nous fin faire collecte là, li pral aller au niveau du CNTS qui c'est Centre National de Transfusion Sanguine à Turgeon, li pral aller avec réquisition médecin balien, li pral produit demande là et puis suivi a fait pour li au niveau du CNTS, y a capable bali sans problème. Journée don sang ça fête chaque année en Haïti, la veille fête maman. Yon façon pour ka sauver la vie maman ak ti moun nan moment yo besoin sang. Cependant, année ça don sang extrêmement pi important à cause crise violence kap ravage Haïti ya. Côté gen plus moun ki vin besoin sang pour ka joine la vie sauve. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil ou souvez ou accueillez ou suivi un programme dans langue créole haïtienne. Restez branchés. Actualité à concernant
international là dans un petit moment. Merci Lesko, toujours branché VOA Créole. Nous prenons l'actualité concernant la région Moyen-Orient, côté l'armée israélienne. Eh bien, ils mènent encore l'autre attaque dans la ville Rafah. Quelques temps après, ils rendent militants Hamas responsables de la mort de trois membres de l'armée. Jean-Aubert Philippe lui-même l'a suivi pour nous de très près. Et Jean-Aubert, et malgré ça, États-Unis dit, malgré position États-Unis, avec plusieurs autres pays, eh bien, Israël paf campé opérationnel dans Rafah. Effectivement, j'en dis, Israël n'a pas campé vraiment parce que tellement vrai, ils ont mené une attaque encore. Côté, ils ont annoncé même, ils ont pris contrôle frontière et Rafah, ville Rafah, qui est dans le sud et territoire Gaza et qui est partagé avec l'Égypte. Donc, ils ont contrôle de zone ça. Ils ont une zone qui, normalement, ils ont utilisé pour empêcher que les militants Hamasio réapprovisionnent dans les armes. Donc, ils ont déjà découvert un paquet de cachettes. Côté que tunnel côté que et militaire marche habité fait ça me passer mais il dit que opération menée il a pas violé ligne rouge que les États-Unis tracé que pas qu'à traverser. L'armée israélienne a annoncé qu'il perdit 3 soldats dans la ville Rafah, jeudi, dans ce qui semblait responsabilité militaire Hamas. Attaque ça arrivé quelques jours après soldats israéliens ont lancé une attaque dans un camp réfugié déplacé palestinien dans la ville Rafah, à côté de tout 45 personnes pour bibitier et blessé environ 200 autres. La Maison Blanche décrit attaque ça comme une action qui déchire le monde. La Maison Blanche pas prend aucune décision pour limiter la science militaire là-bas Israël ou bien changer politique États-Unis cap supporter droit Israël gain pour opérer dans le territoire Gaza. Even the safe area that the enemy said Mohamed Abouassa a décrit ce qui passé dans le camp réfugié dimanche, déclaré même Rafah que ennemi a été déclaré offrir une sécurité, c'est pas vrai. Pas de sécurité. Tout le monde connaît, c'est un camp pour le monde qui est déplacé. Tout le cadre, c'est Mati Yoye. Pour mon honnête, c'est une scène nous pas capable de comprendre. Attaque dans l'Utland est très difficile. Président Joe Biden pas jamais suspend avec Israël contre l'idée pour lancer une attaque dans la ville Rafah qui charge avec le monde. Mais la Maison Blanche souligne, mardi 28 mai, li pa kwe attaque dimanche lan traverser ligne rouge administration a tracé ou bien li mérite un changement dans politique administration. Been, I think, very strident. John Kirby, porte-parole Conseil de sécurité nationale États-Unis, déclaré, moi kwe que nous très strict. Non, condamné la mort civile innocent. Monde qui mourit dimanche n'a pas fait exception. Nous devons comprendre ce qui s'est passé là. Gagne une enquête cap déroulé. Gouvernement israélien déjà déclaré c'est un erreur tragique. Il a enquêté pour jeune responsable général habitué faire. N'attend pour ça y a fait. Militaire israélien dit yo l'ouvrir une enquête. Major général Yifat Turner Yehus Shalmi parle pour dire naturellement dans une guerre avec une telle intensité avec magnitude incident difficile rivé quelques premiers incidents comme ça qui passé dimanche là dans Rafah très difficile autorités toujours à prévisé d'état incident et n'attendent conclusion force sécurité israélienne ou regrette dommage li causé parmi civils pendant guerre. Mais un groupe militant Hamas qui a commencé le conflit à 7 octobre passé n'a pas perdu du temps pour la responsabilité à sous l'administration américaine. We hold the Osama Hamdan, porte-parole haut placé militant Hamas, a déclaré nous rendons l'administration américaine avec tout président Joe Biden responsable pour massacre l'aide contre déplacés dans la ville Rafah et pour tout notre crime occupant et commettre dans le territoire Gaza. États-Unis continue by force occupation support politique et militaire et puis continuer à bay équipement militaire bombes avec ammunition pour touiller plusieurs douzaines si c'est pas plusieurs centaines de monde femmes avec civils chaque jour. Dans le moment enquêté a cherché connait ça passé dans ville Rafah analyse tant Raphaël Cohen expert politique dans Rand Corporation déclaré administration Biden nan, en bas en pile pression en zèle gauche parti démocrate là yon côté ensuite yo pas voulu affecter électeurs centristes ak démocrates qui en faveur Israël. Jean-Bert Philippe VOA Creole Washington.
Merci Jean-Robert Philippe. Donc c'était une idée sous actualité dans la région Moyen-Orient côté Israël continuer à mener opération dans ville Rafah. Quand on a retourné dans pays d'Haïti et dans actualité à environ 15 anciens prisonniers qui étaient dans prison civile Fort Liberté pour aller bénéficier un programme spécial, un programme réhabilitation à réinsertion IMED à exécuter avec un financement Union européenne. Nous sommes sur place et Jodelet Junior Saint-Ville qui gagne un reportage sur l'événement. Grâce à un projet d'intervention juridique et sociale, bon côté monde qui est en prison dans détention préventive prolongée, cap dirait dès l'année avec financement Union européenne, Institut mobile d'éducation démocratique qui gagne nos jouets, l'IMED, accompagné plus de 15 anciens prisonniers dans prison civile Fort Liberté, qui joignent libération ailleurs lundi 27 mai 2024. Là, une façon pour être capable de rétablir et réintégrer dans la société. Chaque ancien prisonnier yo joine yon kit hygiène, 25 000 goud pour yon tourner la kayo, et yon pral gen possibilité pour yon apprendre yon métier. Responsable IMEDLA, Madame Ketli Julien, te bay quelques précisions concernant projet a. En même temps, li dil pa regret projet sa a te atterri dans Fort Liberté. Nous pas regret parce que pendant un an, nous rive la gué 40 moun dans Port-au-Prince qui gen 5500 dans Fort Liberté. C'est une qui permet que nous remettre premier rapport là 390 soit liberté seulement nous t'ai gâté la 120 mois. Comme là nous ben jodi a c'est pour permettre rentrer la caillou commencer organiser. Deuxièmement le protocole n'a pas signé avec eux c'est pour apprendre nos métiers de concert suivi séance psychologique pas faire avec psychologue là bon psychologue qui là pour travailler avec eux. Troisième bagaille qu'a pral gagner pour leur apprendre métier à nous pas loger comme la baïo n'a pas fait suivi avec yo gagner métier gagner carrelage gagner électricité gagner progrès ça yo veut technique agricole l'école là n'a payé l'école là. C'était occasion pour commissaire gouvernement Fort Liberté à mettre Enose Firin te dit la presse moun sa yo qui joine libération yo là pas te commettre gros infraction puis fort na yo te arrêté pour voler téléphone. Et il te fait yo quelques recommandations. Suspendre avec mauvais actes. Nous imaginons que nous avons fait pour moins que 200 personnes, il pense que y a 500 personnes là-dedans. Ancien prisonnier yo pas te raté occasion ça pour te montrer satisfaction yo. Prison par un qui nous. Et ma profite par un ça pour moi remercier toi vous. Organisation ça qui c'est Union européenne, avocation frontière, IMED. Qui est de vous pour vous libérer aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Jodelet Junior Saint-Ville, depuis Fort Liberté, pour VOA Créole. Et bien, nous quitté province, nous voilà dans la diaspora haïtienne, côté artiste chanteuse haïtienne Annie Alette, qui était dans la ville Orlando pendant le week-end. L'image est toute haïtienne pour mettre tête collée, pour faire tête collée, pour être capable de changer la situation dans le pays d'Haïti. Il y a un reportage Yves Montpremier depuis Orlando. Chanteuse vedette haïtienne Annie Alette qui t'a performé dans ville Orlando au centre de la Floride pendant le week-end a déclaré les sentiments bouleversés avec situation tête chargée qui établit dans le pays d'Haïti jeudi. Annie Alette qui t'a parlé avec VOA Créole dit tout l'heure était qu'on est là pour tout haïtien qui vive quel que soit côté en OTA montrer que pays d'Haïti c'est pays payot pendant que le saluer l'esprit qui est arrivé dans la construction canal irrigation rivière Massacre. Le arrivé pour nous commencer à montrer dans tout sens que nous campons avec le pays. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de venir aux États-Unis. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de Phil Biden pour nous. Mais ce n'est pas tout le monde qui a besoin de Phil Biden pour nous rentrer aux États-Unis. Il faut nous créer un espoir pour nous. Et c'est ça que nous avons fait pour nous. Nous avons construit un canal, nous avons fait un canal. Depuis l'autre canal qui a commencé là. Annie Alert, tu es allé plus loin pour dire. L'économie haïtienne n'a pas de seulement chita sous dos diaspora. Gouvernement doit créer moyens pour bailler citoyens liés aux sécurités, pour permettre aux haïtiens de rester dans le pays pour créer job. Parce que d'après lui, il n'est pas possible pour ceux qui n'ont pas de criminels de continuer à courir des haïtiens dans le propre pays. Malheureusement, sécurité.
et dans un pays, ce n'est pas nous-mêmes les citoyens qui sommes responsables de ça. Nous pensons que le gouvernement supposé mettre tête en place pour les jeunes en solution avec bagaille ça. Parce que pas qu'à prendre haïtien, mais de prendre haïtien dehors la caillou. C'est la caillou nous lié, nous ne pouvons pas mettre nous dehors la caillou. Nous pensons que ça se travaille par le gouvernement. Nous-mêmes, pendant que nous cherchons à poser à l'équipe pour mettre manger dans le pays. Parce que un pays qui a plus manger a moins de l'état juvénile, sauf que ça va travailler sur l'éducation, sur manger. Mais nous même en tant que l'État, faut faire travail par eux, à plus dans notre sécurité. Parce que longtemps, c'est parce que nous avons une sécurité qui fait mal dans le Sahara, où on va sortir en dehors de l'Ivan pour le prince. L'économie pays n'a pas seulement sur la diaspora. Nous pensons que nous, oui, diaspora nous remet, nous comptons sur un pile, nous faisons un pile pour le pays. Mais nous-mêmes, en tant que haïtiens, citoyens, haïtiens qui vivent en Haïti, nous avons besoin de sécurité pour vivre dans le pays. Si nous n'avons pas envie de partir, nous, haïtiens, nous ne pouvons pas pousser de nous la caille. Sous question pour qu'on ait. Est-ce qu'il paraît pour aider dans chercher solution pour résoudre crise haïtienne? Non. Annie Alert qui parle comme ça. Collaboration c'est canal yo, collaboration c'est à l'école, parle avec timoun yo, timoun la ou yo. C'est ouais, est-ce qu'on capable inculquer on l'autre éducation en tête pour faire comprendre que pays a c'est yo, pays a compte sur yo, parce que c'est pas Haïti qui est mauvais, c'est pas le pays en soi, c'est nous-mêmes en tant qu'haïtiens. Et nous pas qu'à haïtiens, tout a dit que c'est ailleurs les siens, c'est pas vrai. Annie Alert a parlé comme ça dans Ville Orlando après elle t'a fini participer dans un gros banquet pour marquer l'inauguration de Radio Télétempo International dans Ville Orlando. Moi, c'est Yves, mon premier, VOA Creole, Ville Orlando, dans l'État de Floride. Après tête toujours dans Floride, comité revitalisation quartier Ti Haïti dans Miami rencontre membres communauté haïtienne pour expliquer changement qui pourrait le faire dans quartier Jude de Onsré de sous place. C'est dimanche qui s'est passé là, dans l'auditorium Little Haiti Cultural Center, que le comité qui n'a tête projet revitalisation Ti Haïti dans Miami, t'es rencontré à la communauté pour expliquer gros changements qui sont liés pour affecter Haïtiens en ville. Après introduction, elle perd 5 panélistes qui sont éducateurs, travailleurs sociaux, entrepreneurs avec activistes communautaires qui fait partie de Little Haiti Revitalization Trust Project, t'es expliqué changement qu'a venu et un débat très animé t'est en main. Après Chita Palea, Joanne Milor, qui est présidente du comité projet revitalisation pour Ti Haïti dans Miami, t'a expliqué changement qu'a venu dans le micro VOA Creole. Nous avons recevé 31 millions de dollars parce que y a un gros développement qui a venu dans la zone. Là. Et so, ça, nous avons fait avec Trust, nous avons essayé de camper la culture haïtienne ici, nous avons essayé de. Aider petit business qui dans zone là n'a essayer aider monde qui habite dans zone là nous gain deux programmes que n'a by club youn c'est pour petit business on a by 10000 dollars ou 20000 dollars pour aider yo avec petit business show. Deuxième programme que nous gain c'est avec monde qui gain kay dans TIT qui habite dans zone là que n'a by yo jusqu'à 50000 dollars pour yo capable ranger kay yo. Ça c'est deux programmes que nous gain déjà. Après troisième programme là n'a travaille sur li kounia et n'a essayé faire li dans deux ou trois mois c'est pour first time home buyers moun ki veut acheter kay dans zone là parce que nous connaît prix kay là a monter et moun gender fois pas gain moyen ou yo pas gain assez l'argent pour yo ta capable acheter un kay dans zone là. Donc ça c'est un programme n'a essayé commencer bientôt. Li important pour nous signaler que nous te prend réaction quelques participants qui habitent dans Little Haiti, qui travaillent dans ville là et qui gain business dans Ti Haïti. Gen yo qui d'accord avec projet a, gen qui pas d'accord. Ça qui attire attention moi là dans c'est gens présentation projet a par exemple yo fait 100% anglais. Donc un projet comme ça pas qu'a fait pour pas et inclure créole là-dedans pour pas ta parler créole pour dire de quoi il en est en créole. Laisse ça n'a bon communauté au moins communauté t'a bien imbu, t'a plus bien comprendre projet a et il t'a pour et bon côté à mauvais côté. Moi même parce que là-bas nous une chance pour travailler avec monde qui pense même gens nous la penser parce que nous pas jamais gain monde gouvernement ba nous rien. C'est avec l'argent, nous travaillons pour l'argent et puis nous faisons bail. Nous sentons que nous-mêmes, haïtiens, pour qu'ils puissent voir nous, pour faire pour changement au café vraiment. Moi-même, comme professeur, qui travaille dans Little Haiti, je ne suis pas satisfait. Non, pas M. Jude Ronsé pour VOA Creole dans Little Haiti, Miami, État Floride. Merci, Jude Ronsé. Moi, c'est Jacques Lambélizère. Bonsoir et à demain. We'll be right back.
suite avec la mort assassinat de compatriotes américains qui mourent la fois dernière. Et ambassadeur a clairement dit que États-Unis prend toute disposition et disposition sévère. Nan jou k ap vini la yo, à côté mission la police nationale d'Haïti et embryon la mais que ni là yo pral bay de réponse que même mission te passé avant yo pour que jam rivé nan poser de action contre bandi en Haïti comme ça. Et je dis à ça dit qui ça, ça dit que autorité américaine yo vraiment yo prend coup. Je ne parle pas remédier en haïtien. J'ai pris un coup. Bah ça, non, n'est pas un coup, j'ai couru deux, bah ça. N'est pas un coup, j'ai couru deux. Ah, on n'est pas fini de comprendre le créole. Eh bien, la mort de compatriotes américains, ça y est, mettez avec haïtien avant de dire bien. Parce que nous avons été oubliés haïtien qui est le Jude Montis dans lui-même, qui mourit ensemble avec Mounsa. Parce que c'est eux trois que m'ont dit, ils ont tué. Ok? Ils ont tué eux trois. Ils ont tué Nathalie et David Lyord. Et puis, Jude Montis qui sont haïtiens et qui t'a dirigé et on a fait Lina comme si côté que yo gade ti moun qui bagay maman pa gen papa ou ti moun ske pa pa ka occuper yo et puis yo aidé ti moun sa yo et pa ba menti la mort de américain sa yo avec haïtien sa qui était responsable mission sa li déjà la gen plusieurs centaines dizaines ti moun qui était dans orphelinat sa nan kouri. Parce que Kounia Yab dit, qui est-ce qui va aider you? Qui est-ce qui va accompagner you? Parce que vous sans espoir. L'État ici va faire un pour you. Et si vous êtes dans la rue, l'État ici, je dis, ou après ces bandits armés qui ont recruté si vous êtes dans le groupe criminel qui a gagné en un pays. On dit que la mort de l'Américain, ça y et mission, ça va le camp en Haïti, nous mettons quoi même si nous voulons. C'est pour l'augmentation de l'écart juvénile, non? Et c'est pour l'augmentation en dit misère, violence dans la zone ça. Parce que si moun, ça ne peut pas, je ne supporte ça encore. Eh bien, on dit clair que États-Unis, après toute disposition déjà, parce que il y a de gros réunions qui ont fait dans le niveau de la Maison Blanche, dans le niveau et on dit service sécurité et département intérieur États-Unis, pour que yo renforce davantage. Et ben plus matériel, ben plus moyens sophistiqués pour que yo contre carré action gang yo. Déclaration de Denis Hanskins dans des Jiménez, li rappelé les que ancien président Préval, li te fait déclaration pour te dit bandi yo ke deux choix. Soit que yo déposé ou dit moins que yo reposé. Préval te dit ça. Les salles te fait déclaration ça, supporte aller au GAN, mais qui patrait les portes aller au GAN, qui te les Kosovo à l'époque, et c'est ton bataille MINUSTA, changez bien, et c'est parce que même contexte, oui, c'est MINUSTA, les salles te gué ancien DG Mario André Sol, et Préval, qui te a fait déclaration, dans niveau et porte aller au GAN pour te dire que, ben, si yon qui est de choix. Soit que yon déposé, ou si monsieur, yon reposé. Est-ce que ces paroles et Préval te fait reposer, oui? Ça peut pas le déposer, ou? Est-ce que c'est ça qui va arriver là? Parce que, il y a un pile expert qui montre que, mission pour débarquer en Haïti, hein, il va mener des opérations sauvages, et nous ne pouvons pas mentir, c'est ça qui va la carrel. Désir, sans surprise, Gaël Conifer Golo, sans surprise, 6 sur 7, il va passer. C'est pas le problème. Blessation, quand t'as raison. Non, mais c'est parce que t'as raison, Gary t'a passé. Quand t'as raison, nous, dans Mita Kafoua, bon, nous croyons que les gens qui pratiquement étaient fidèles avec Pessac Nouvelle, Blaise Info, pas une nouvelle, votre Calbas Info, ça peut paraître une surprise pour eux, parce que dans quatre analyses, nous toujours gardons ça à cœur pour nous montrer, fort pourcentage que Gary connaît, gagné pour vienne premier ministre parce que Pablier c'est pion l'ONI et c'est pion Michel Joseph Matéli de PHTK étape difficile pour dépasser dehors désir d'aller même pas oublier m'a pas dit ça m'a oublier et en soit PHTK bon pas regarder PHTK me regarder États-Unis me regarder communauté internationale yo gè conseil présidentiel yo gè premier ministre yo ça me dit très bien yo gè conseil présidentiel yo avec 9 moun sa gen la, 9 ti moun sa gen la, et yo gen l'autre ti moun qui vient ajouter ces gars comme premier ministre, que kounya yo arrange yo, yo ba paye à sécurité.
Allez, yo gen tout ba nan men la kè ba pa sécurité. Et jusqu'à présent, yo continue à kembe ti moun yo toujours qui c'est France LB. Mais kè wa range yo, yo ba pa sécurité. Moi d'avancer des images, m'a dit bien ça parce que m'a fait débat sur lui. Puis devant. Très bien. C'est pour première fois Blaise Peterson gagne un ensemble de monde qui dans course qui loyal comme ça. Gagne yon nan moun qui était pratiquement dans 5 moun qui était rete. Dans la course pour devenir premier ministre dans le pays. Vous voulez parler de Alix Didier Fizeme. À travers compte X, qui présentait félicitations avec le premier ministre désigné, nous voulons parler de Gary Koné. Première fois que nous voyons la fête avec facilité comme ça. Ça veut dire, nous avons entendu quand même, de toute façon, que gâteau après bien tranché, dans l'intérêt, mais non pas dans l'intérêt de la République d'Haïti. Si la précédente, regardez la situation, nous avons que l'ambassadeur pays, les États-Unis, avec fermeté, parole que directeur général police nationale d'Haïti a t'a répété. On connaît tout moué, c'est ambassadeur pays les États-Unis qui déclaré ce soir bandi yo arrangé yo déposé ou bien y a la prison ou bien y a le cimetière. Li wè cimetière pour monsieur qui gen zamandé dans pays parce que tant que j'ont dit les personnes les nez en prend coup, la difficile pour j'ai à kembe de l'eau. Tout monde qui t'a mouri dans pays d'Haïti comme haïtien yo sans doute, il n'y a pas de présenter rien pour l'ambassade des États-Unis d'Amérique, pour l'ambassade du Canada, pour l'ambassade de France, eh bien, vis-à-vis avec missionnaire américain qui mourit, c'est qu'on y a eu estimé qu'un problème de sécurité qui existait dans le pays. Le Sahara, il méritait que chaque grain monde qui pratiquement constitue des ensembles de communautés haïtiennes, il y a eu cette responsabilité, parce que c'est loi, ok? Denis Hankins, qui pour prendre ensemble des positions par rapport avec compatriotes qui mourent, et nous-mêmes, les compatriotes, nous mourons. Qu'est-ce qu'il entend pour nous faire? C'est des situations qui paraissent extrêmement difficiles. En dépit de tout ça, Blaise Peterson, bandit criminel sans foi ni loi qui, dans le niveau capital, là, déclare tout puissant, monde dans Grecier continue à courir quitter la caillou parce que monsieur yo estimé espace Grecier, lui doit rentrer dans liste des territoires perdus. Après Blende qui était fin boulé, pour jusqu'à présent, où est responsable au niveau dans la police, pourquoi qu'il y ait un rapport sur ça? C'est vrai que responsable Sinapoa déclaré que des policiers qui blessé et on dit, mais dans quel contexte? Est-ce qu'on y a loin nous capons comme l'évangile, ça signe à quoi, vous n'essayez donc pas dire là. Puis j'en fais que France LB, directeur général police nationale d'Haïti, t'es rapide pour te faire notre sortie dans ça qui te concerné assassinat missionnaire américain. Matériel, la police qui a brûlé, la police qui était en danger, ça ne veut dire rien pour tout ça qui est directeur général de la police. L'important qu'elle nécessaire Blaise Peterson pour nous faire analyse autour de ça yo pour nous permettre que la population arrive comprendre ça qui a passé en dedans pays n'est pas un bagaille très facile. Edgar Leblanc-Fils entendre qu'elle vient en fait tweet tout sous compte X suite à des échanges au sein du conseil présidentiel de transition après les auditions des candidats retenus pour les postes de premier ministre. Le docteur Gary Koné est choisi par consensus pour diriger le gouvernement de la période de transition. C'est ça que Edgar Leblanc-Fils, président désigné conseil présidentiel, a écrit sous code X. Jusqu'à présent, c'est information qui confirmait que Gary Koné, lui fait boulot, lui révèle les vélos, tout bon vrai, Blaise Peterson. Et c'est qu'on y a, comme, carotte la quitte, ni dans mes départements d'État, ni dans mes Nations Unies, ni dans mes CARICOM, ni dans mes, l'Occident. Est-ce que Kounia a retiré Haïti dans la situation qu'elle devait là? Mais tel n'est pas le cas parce que nous ne croyons pas qu'il y ait trop d'intérêt dans la question de stabilité du pays d'Haïti de l'espèce. Et dès le samedi, nous allons venir avec l'interview de tout ça qui est Denis Hankins, qui est ambassadeur des États-Unis en Haïti. Et nous allons permettre que nous tendions. C'est vrai, c'est en français, mais ça va empêcher que nous tendions et moi, avec collaborateur des Ivenes, et dès que nous comprenons plus bien. Et dans chaque intervention que Denis Hankins lui-même dit, mais ça qui peut-être pas plus important, c'est que Denis Hankins montre que, et après la mort compatriote américain par Elio, et États-Unis prend ça très au sérieux. États-Unis prend ça vraiment, vraiment au sérieux. L'aime dit États-Unis, on parlait de l'administration Biden, non? Yo prend ça au sérieux. Très au sérieux. Elle dit, yo senti, c'est un plus gros coup que yo prend. Pendant que yo calblende, pendant que, yo pense comme si insécurité seulement haïtien qui a frappé par lui-même, et yo wè que, mais nek ki gen zam yo, yo frappé au tout, bien que yo te prend de disposition, avant même que, avant même yo te vin commencer à voyer de matériel, yo te déjà voyé anti-mé, wins al sécurité, ambassade là, yo te déjà voyé hélicoptère américain qui en Haïti. Bon, bah qu'on est américain ça yo même, est-ce que,
c'est peut-être pas de cas déplacé ou dimanche m'pa connait quelque part, mais yo t'ai senti que ça pral venir, hein, li a vraiment compliqué. Bon, voilà que yo perdit de proche de moun ki lansé yo comme compatriote yo, et ça montre que ça gen la en Haïti, hein, li vraiment compliqué. Je dis, hein, et communauté internationale n'a pas essayé de comprendre. C'est vrai, accord politique 3 avril, là, il va mettre balise, comme si, pour que diaspora, comme si pas de cas représenté, non, gouvernement qu'a mis là, il va mettre balise tout pour dire que, si ou moun pas résider en Haïti, pendant ce, non, il va mettre aucune balise. Parce que, qui côté gars qu'on y est, non, vous voyez, qu'il a parlé avec les États-Unis, monsieur, mon cher. Pas États-Unis, premier ministre. Hein? Premier ministre d'Haïti. Oui, le premier ministre en présentiel. Non, pas visioconférence, allô. Pas visioconférence. Il a désigné en absence. Notre pays s'appelle Haïti. Non, il t'a parlé. Il m'a appris, il t'a parlé par Zoom. Il a parlé sous Zoom, bagay. Mais Kounia, il faut que nous gardions question législature sous question visioconférence qu'il a parlé avec cette personne. Non, nous ne pouvons pas là. Nous ne pouvons pas là, même désir. Mais Kounia, ouais, c'est. On dit là, on va d'accord, même désir. Ouais, ça. Nous ne pouvons pas la même. Si c'est sous ça, nous allons chita, on ne peut pas qu'il y ait un capra à bord. Nous, parce qu'il dit, regardez, nous ne pouvons pas la même. Mais moi, même problème que je n'ai pas, parce qu'il va dire, bon, oui, nous ne pas la même. Problème que je n'ai pas, et ça, il n'y a pas de problème que je n'ai pas. Comme si, il n'y a pas une surprise ni pour moi ni pour vous. Et il n'y a pas une surprise pour mon capsule, mais ça en veut. Parce que nous, déjà, comprenons que le fait que nos gars connaissent sous table, et Gary Kony, c'est pas n'importe qui, c'est directeur régional et UNICEF. Je connais un gros organisme international que je connais, c'est directeur régional. Ça veut dire, li pataka étonné que l'autant de Fidelisé, autant de. Comme si l'autre monde. Ouais, et pas en termes de. Tout le monde a des compétences, oui. Mais là, et mon question de compétences. Là, c'est question de gros point qui va le passer, ou dis-moi ce que. Là, c'est question d'intérêt. L'intérêt des États-Unis. L'intérêt des États-Unis. Non pas l'intérêt de la République d'Haïti. C'est clair. On a dit ça déjà. Et ça fait qu'on y a. Ouais, bon, tu vas regarder la télévision. Marie Jasmine, tout le monde qui a été capable de là. Et communauté internationale. CARICOM, l'OEA, Nations Unies, États-Unis, Canada, la France. Bien que c'est nous qui impliquons dans l'insécurité, dans la grande misère, qui est en Haïti là, nous avons Ariel Henry. Et c'est nous qui avons Ariel Henry avec un tweet qu'on coupe là. Ariel fait cool qu'on n'est pas d'être 32 mois, il va faire un rien. Passer mon bêtise, mettez mon espoir. Nous baillons et conseillons, conseil présidentiel 9 têtes ça, jusqu'à présent, il y aurait été en face promesse toujours. Et ouais, tout démagogie au tap fait, 68 monde déposé, il y aurait dû la 20 avec combé, il y aurait dû la 13, il y aurait dû la 5. Il va faire débat, tout ces bagages chantage fait en passé. Nek je te geta konne conseiller yo et conseiller avec yo. Yo te geta konne qui est ce qu'a premier ministre. Boss yo, mette yo te geta di, mais qui est ce? Ça te bien fait mal. Que moi, Fils Belizier, qui te allé dans le conseil en juin et mardi, hein? Et ouais, ma partisan, al fait al bagay, a et parce que. Yo te geta konne ki es a. Mais kounya Blaise, est-ce que l'obé va pral péter dans mitan conseil présidentiel la partie de Saline? Sans doute qui te fait négociation déjà, ou c'est Fritz Belizer qui te grive premier ministre et gouvernement transition? Non, mon cher, il va faire l'obé. Parce que Moïse qui cherche à geta al jouen l'Occident, mon cher. Moïse ou pas j'aime tant de Moïse Jean-Charles. A ba eta sinifrap. Il va parler de la Russie encore? Ah, m'ba konne si la parle de la Russie, ça m'ba konne. Ça me pas connaît. Mais ou pas j'aime pas jeune ou moi Jean Charles qui va violent vers les États-Unis. Non, pas de problème Samdoula. Mais c'est rejoindre visa, semble que c'est rejoindre visa pour la jeune madame Nia Kitsiti. Bon peut-être. Mais depuis notre dans conseil ça là, Maurice pas prêt j'aime parler États-Unis mal. Non, ça dit clair mon cher. Ah, dis-moi mon cher. Regardez, même là moi avancer des petits jeunes garçons mais n'a fait pour nous n'a presse ça quelque temps et n'a pas analysé de ces politiques. Nous comprenons. Attendez, les mots 17 mai, avant 18 mai, attendez Moïse dans le discours qu'il était. Et qui côté ouais même, il était même, il frappe avec États-Unis et comme si, j'allais me dire dans l'Occident. Qui côté ouais Moïse, il frappe avec l'Occident.
Mais il dit qu'elle parlait à qui? Il parlait ni avec les États-Unis, il parlait même avec le secteur privé des affaires, qu'elle était très acide, très critique envers les États-Unis. Eh bien, voilà, elle avait dit, pas étonnant, là, après, je ne vous parle. Elle dit ça, histoire de moi, je suis allé pral, et pral goumé dans le conseil, là, menti, d'ailleurs, là, il dit, ou cassé ici, ou à la bambe, tout bagay pour connaître. Et même disant mieux ça. Chaque conseil qu'il a, yo, il pral négocier au ministère. Mais dit, yon, comme c'est 18 ministères payants gagnés, mais chaque conseil qu'il a, pral négocier deux ministères clés, ou si est-ce que deux ministères clés ou encore un ensemble de directions clés, ça me clé sur lui. Donc, il y a un peu de temps pour Maurice Jean-Charles sur ce ministère qu'il t'a réclamé déjà, dans le conseil là qui était peut-être un match gonflé. Il y a des gens qui gardent Maurice Jean-Charles qui ouais et qui demandent délégation départementale, qui entendent pour moi des élections. Qui m'a des ministères intérieurs, qui m'a des AAN, qui m'a des la douane, pratiquement eux-mêmes, ils ont entendu faire des affaires. Je veux dire, basse consensus qui mène Gary Conny côté lié. L'un connaît Gary Conny dans le niveau qu'il souche avec international là, et dans le niveau que Gary Conny souche tout avec Michel Joseph Martelly, avec la famille Clinton, dans qui niveau que vous avez connecté les personnes. L'Ivine Moutou, on l'autre fois, c'est pour le gabji total, c'est pour des situations très compliquées que le pays a pour le connaître, ensemble des décisions, il va pour le à l'haïtienne. Haïtien, pour le pratiquement connaître des moments durs, des moments très difficiles, en fois qu'il n'a pas assumé responsabilité, pour faire respecter le droit que vous avez dans le pays en pleine situation. Et pas oublier que Gary Conny, ça, il y a un paquet de soupçons. Sous lui, dans la gouvernance avec Michel Joseph Martelly, qui pas même vient sous table pour essayer de regarder. Est-ce que le gouvernement qui est là, ou bien le conseil présidentiel, là, qui peut-être a arrangé pour monter le gouvernement, il n'y a pas monté sous crédibilité, honnêteté, avec ça qui gagne, est-ce que vous pouvez vérifier ensemble des soupçons qui gagnent sous Gary Conny qui fait c'est lui-même qui a désigné Blaise Besson? Ah, mon cher, tout le monde qui est dans le conseil là, il est dans le pays. Hein? Tout le monde qui est dans le conseil là, tout est dans le pays. Il y a tout là, les gars, ils le premier ministre. Il dit, tout est dans le pays. Il y a tout est dit, c'est un secte qui ferme, il y a une contre l'autre. Il dit, pas de nouveau là, rien de nouveau sur le soleil. Il dit, c'est un secte qui ferme, tout contre l'autre, il y a une contre l'autre. Il n'y a pas un monde qui va chercher contre qui est ça, il y a tout contre l'autre et il y a une contre l'autre. Et, deuxième, j'aime le dire, hein, Gary Conny, c'est pour nous, ouais, vous me ça clair. Gary Conny, c'est pour nous gérer la tortue encore dans notre pays. C'est pour on gère la tortue encore dans tes pays. D'ailleurs, Gary Conny, c'est un super chef. Ou a saisi, ouais. Gary Conny, c'est un super chef que sept conseils siégés yo, et deux qui observateurs. C'est-à-dire, Gary Conny, c'est un super chef parce que c'est Mounsa.